Le 28 mai, c'était quand même une journée assez incroyable là, le matin avec tous les gens qui sont déplacés. Donc, on avait peut-être 40 à 50 personnes là, qui étaient sur le site. Là. Même, c'était quand même c'était très tôt. Donc on a pu jaser avec les gens, on a pu faire un petit discours là, pour remercier un petit peu tout le monde. Les commanditaires étaient là, les amis, la famille. Donc, départ à 7 h le matin, on prévoyait des vents de l'est. Par contre, c'était plutôt calme. Donc, c'était une journée là, que j'ai faite à la pagaie là, pour partir. Donc, la première escale sur l'île de la Sottise, on est en face de la grosse île. Et puis, j'ai dû attendre la marée suivante. Là, donc, je navigue avec le bassin. Donc, avec la marée baissante, j'ai pu repartir en fin de journée pour gagner quand même l'île aux grues. Fait qu'une grosse journée, la première journée, vraiment une très bonne journée. Et puis, j'ai été accueilli par Madame Huguette au manoir MacPherson sur l'île aux grues. Dans le fond, on m'a offert le souper là, et puis l'endroit pour planter ma tente. Là. Fait que c'était vraiment une journée magnifique le jour 1. Là. Et là, maintenant, bien sûr, vous êtes arrivé, je crois, à la mi-juin. Est-ce que c'était dans les délais que vous étiez fixés? J'ai touché Gaspé le 15 juin exactement, là, en début d'après-midi, là, vers 13 h 30. C'était 19 jours au final sur un périple que j'escomptais entre 14 et 17 jours. Sur ça, il y a 18 jours où j'ai mouillé ma planche, une journée où il n'y avait vraiment rien à faire, mais à chaque fenêtre météo que je pouvais avoir, j'ai pris la mer. Les vents d'est, les courants contraires m'ont scotché des fois là, sur la plage, là, mais bon, 19 jours, c'est quand même pas si mal là, pour 700 km de trajet, mais quand même plus de 1 000 km là, sur le compteur là, au final. Là. Donc, un élément clé, comme vous dites, c'est toujours l'aspect météo. Donc, vous étiez quotidiennement à regarder tout ça. Les éléments que vous surveillez, c'était lesquels? On regarde tout le temps la marée pour avoir une idée des courants. Et puis, au niveau de la météo, ben, c'est les vents, là. Ce qui est de la pluie, le soleil, ça, c'est pas un problème, là. Naviguer quand il pleut, là, il n'y a vraiment aucun problème. Mais c'est les vents. Les vents, évidemment, on va avoir un vent dans le dos. On ne veut pas avoir un vent de face. Et les vents qu'on appelle offshore, donc les vents qui viennent de terre, qui pourraient nous pousser au large, il faut être très prudent là, dans des conditions comme ça. Mais essentiellement, là, on a des sites là, un peu spécialisés là, qui nous donnent des prévisions de vent. Donc, c'est vraiment l'aspect qu'on regarde le plus. Puis aussi, il faut prévoir quand même les vagues. Parce qu'en rendant en Gaspésie, les vagues peuvent être très grosses. Donc, on regarde aussi là, au niveau là, des vagues, comment ça peut s'aligner. Est-ce que pendant le parcours, il y a eu des moments de découragement ou toujours l'objectif en tête et on sent jusqu'au bout? Au départ, il y a eu avec la mauvaise météo. La semaine 1 a été quand même assez difficile au niveau météo. Découragement, non. Frustration, oui. Frustration de ne pas pouvoir avancer. Ouais, ça m'a traversé l'esprit souvent là, le sentiment là, de frustration, là, de dire bon là, je peux rien faire. Puis tu sais, j'ai essayé autant comme autant, j'ai fait à certaines reprises, là, 4 ou 5 heures de navigation pour gagner 3 ou 4 kilomètres. Mais l'effort était là, puis c'était certain que j'allais toucher Gaspé. Même, je me suis dit à un moment donné, ben s'il arrive un pépin, quoi que ce soit, là, je vais tout embarquer mon stock sur mon dos puis je vais me rendre à pied. Donc, il n'était pas question de ne pas atteindre Gaspé là, d'une manière ou d'une autre là, dans ce périple-là. Donc, vous avez eu de belles satisfactions, sûrement des paysages à couper le souffle. Justement, quelles ont été ces belles satisfactions du parcours? Je dirais que le côté humain, là, l'accueil des gens sur à mes arrivées quotidiennes, là, ça a été une surprise là, à chaque fois. Là, les gens, comment les gens, quand on leur dit bon, j'arrive de la mer, OK, tu arrives de où? Ben, j'arrive de 3 ou 4 villages plus haut. Pour aujourd'hui, mais je suis parti de l'île d'Orléans. Donc, les gens, je vais te faire à souper, viens prendre une douche. Cet accueil-là a été vraiment là, un coup de cœur là, pour le projet. Au niveau des paysages, je dois dire que les îles Pèlerins, c'est magnifique, c'est de toute beauté. Sinon, la faune maritime, là, les baleines, les phoques. J'ai vu un esturgeon qui devait faire plus de 6 pieds de long, là, qui est passé sous ma planche, là, dans le coin de Trois-Pistoles. C'était vraiment là, un coup d'œil magnifique.
Les méduses, là, dans le coin de Grande-Vallée, là, des millions de méduses là, qui battent pratiquement toutes au même rythme. Par-dessus le fond, l'eau est claire. Donc, c'est le Saint-Laurent, c'est quelque chose de très varié, d'incroyable à voir sous cet œil-là. C'est pas la même chose quand on part sur la route, là, mais de le naviguer au complet, là, y a des beautés là, incroyables là, sur le Saint-Laurent. Et je crois que vous avez renoué avec votre père aussi pendant le parcours, j'ai bien compris. Oui, bien, en fait, mon père est à Grande-Vallée, donc on se voit à quelques occasions à chaque année. Mais là, ça faisait quand même 7 mois là, qu'on ne s'était pas vu, là, dû à certains trucs de COVID, là. Bon, du côté du mien, là, fait qu'on n'a pas pu se voisiner beaucoup. Fait qu'après 7 mois, là, c'était vraiment le fun de pouvoir rencontrer mon père sur un des ravitaillements. Là, dans le fond, il a pris la relève là, avec tout mon matériel de ravitaillement là, à Matane. Donc, c'était vraiment un bel après-midi là, de passer du temps avec lui. Ce qui était bien aussi, c'était votre tableau de bord qu'on pouvait retrouver sur le site de Relief qui nous permettait de voir où vous étiez rendu. Est-ce que c'était quelque chose qui vous permettait de vous dégager la tête, de pouvoir faire ce petit compte-rendu? C'est un engagement que j'avais pris au départ, là, parce que bon, les gens m'ont demandé est-ce qu'on peut suivre l'aventure. Bon, c'était la façon de le faire. À certains moments, c'était un plaisir. Pour d'autres moments, c'était plus une corvée, là, parce que des fois, bon, je touchais à terre à 8 h ou 8 h 30 le soir, le temps de monter la tente, à faire le repas, la fatigue accumulée. Donc, mais je me suis fait le devoir de le compléter à chaque jour. Pour les gens là, qui ont investi du temps et de l'énergie et des sous pour la cause. Donc, je tenais quand même à leur donner là, des nouvelles fraîches là, à chaque jour. Et je pense que vous avez eu un apport de plein de gens. Ça, je pense que ça vous a aidé beaucoup d'avoir ce support, autant moral que physique. Oui, il y a plein de gens là, qui étaient derrière moi. Là, j'avais les nouvelles un petit peu par ma copine, là, Jacinthe, qui a mis les nouvelles en ligne, qui a suivi le trajet, puis qui a assuré aussi les ravitaillements. Donc, les bons mots que tout le monde pouvait me transmettre, l'essentiel là, du message. Puis oui, ça donne des ailes, comme on dit. Et pour la cause que vous avez fait cet événement, cet exploit pour une cause, c'est bientôt la santé mentale, oui. Est-ce que du côté d'un objectif que vous aviez en tête, est-ce que ça a été réalisé ou on s'approche? J'avais fixé un montant de 50 000, mais bon, c'est la première fois que je fais ce genre d'événement-là. C'était quoi le bon montant? C'était difficile à dire, mais j'avais mis la barre quand même assez haute. Hier, on a encore des sous qui se rajoutent là, pratiquement à chaque jour. On est à 32 700. Donc, je pense probablement finir à 35 000. C'est sûr que j'atteins pas l'objectif, mais j'atteins quand même un gros objectif, là. C'est beaucoup d'argent là, qui va pouvoir être utilisé là, par Relief pour venir en aide aux gens qui souffrent. Est-ce que les gens peuvent encore donner? C'est encore possible de le faire sur le site? Oui, c'est encore possible de le faire là, sur monrelief.ca. Jusqu'au 30 juin, dans le fond, c'est la dernière journée de la campagne, là. C'est ça. Tous les montants sont acceptés, puis on remercie les gens qui prennent le temps de le faire. Vous prenez sûrement un bon répit avec tout cet exploit que vous avez fait. Est-ce que vous avez d'autres projets du genre grandiose à faire dans le futur ou vous êtes en train de cogiter à tout ça? Ah, il y a beaucoup, beaucoup de projets que j'ai en tête, là. Bon, les Grands Lacs, ça m'intéresserait. Sinon, je regarde un petit peu du côté d'Anticosti, là. Le fleuve Saint-Laurent, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Puis j'ai quelque chose en tête là, à faire sur Anticosti. Je ne peux pas en parler tout de suite, là. J'ai des gens à contacter. Mais assurément, l'été prochain, j'aimerais tenter une autre aventure. Mais Marion, félicitations pour l'exploit. Puis on vous en souhaite encore plusieurs autres là, dans les années à venir. Merci beaucoup.